Cette rencontre a lieu dans le cadre de l'accueil de l'exposition L'Europe du Polar. Donc c'est une exposition qui a été produite par Bibliocité et conçue par la Bilipo, donc la bibliothèque des littératures policières des médiathèques de la ville de Paris. Donc c'est une rencontre entre M. Pouy et M. Rénal et animée par Alice Laclin, qui est donc enseignante-chercheuse à l'Université Paris-Nanterre. Bonne rencontre. Merci beaucoup Aurélie Delecq pour cette belle organisation. Merci à toutes et tous d'être avec nous ce soir. Et puis surtout, merci donc, à Patrick Rénal et à Jean-Bernard Pouy d'avoir accepté de venir discuter avec nous. Tu commences par Jean-Bernard Pouy, Patrick Rénal. Bien sûr, Jean-Bernard Pouy. Parole alphabétique. Avant tout, puis Patrick Rénal est avec nous aussi. Merci à tous les deux d'être là. En tant que jeune chercheuse sur le roman noir, je dois dire que je suis extrêmement honorée d'animer cette rencontre avec ces deux figures historiques, ces deux piliers du polar français. Bonsoir. Hystérique, moi. Historique et hystérique. Hystérique. Historique, hystérique. Bonsoir à tous les deux. Peut-être. Alors, je vais peut-être commencer par une petite présentation pour. On vous connaît, on ne vous présente plus, mais on vous présente quand même. Donc, je vais commencer par une petite présentation de nos deux invités. Patrick Rénal, vous êtes écrivain, éditeur, scénariste, journaliste, spécialiste du polar états-unien, notamment. Vous avez commencé, d'ailleurs, comme critique de romans noirs états-uniens pour Nice Matin, et j'ai lu, et puis pour Le Monde, avant de devenir vous-même écrivain de plusieurs romans noirs, dont plusieurs en coécriture, avec Jean-Bernard Pouy. On en reparlera, bien sûr. Et puis, vous avez aussi été l'éditeur qui fit passer la série noire dans l'époque contemporaine, en succédant à Robert Soula en 1991. Vous avez ainsi ouvert le catalogue de la série noire à des auteurs d'autres nationalités, et notamment des auteurs européens, on en reparlera. Et vous avez aussi ouvert le catalogue à des autrices, ce qui n'était pas une mince affaire, Pascal Fontano, Eva David ou encore Laurence Bieberfeld. Vous êtes aussi le père de la collection La Noire, qui a été un diamant qui a duré le temps de votre mandat, si je puis dire. Ah non, tu continues. Et qui a repris récemment. C'est bien, sauf toi. Qui a repris récemment, et d'ailleurs, Jean-Bernard Pouy est publié dans La Noire, qui voilà. C'était pour en arriver. Qui a recommencé pour lui spécifiquement. Vous avez publié des textes mythiques comme ceux de James Crumley, Larry Brown, Harry Cruz aussi.
vous avez publié un ouvrage, L'âge de la guerre, paru en 2021 chez Albin Michel. Vous allez peut-être nous en reparler. Vous avez renoué dans ce dernier ouvrage avec la mafia niçoise que vous aviez déjà explorée dans un roman désormais célèbre, Fenêtre sur femme, qui vous a valu le prestigieux prix Messiter de la critique en 1989. Est-ce que vous pouvez déjà peut-être nous parler un peu de ce dernier roman? Est-ce que vous avez voulu renouer avec vos premières amours? Oui, c'est, ça marche. Oui, j'avais très envie de retrouver les trois protagonistes que j'avais abandonnés 20 ans plus tôt. Donc les protagonistes de Fenêtre sur femme. Et puis, j'étais 20 ans plus tard, ma colère ne s'était pas calmée, j'étais toujours en rogne. Donc j'avais toujours envie de récupérer l'époque, comme dirait Raoult. Et j'avais envie de les reprendre, mais justement de mettre... J'avais très envie de mettre en scène des vieux. C'est-à-dire que je trouve c'est pas très, très, très malin de certains auteurs, même quand ils sont assez vieux, de mettre en scène des héros de 40 ans. C'est beaucoup plus amusant d'explorer sa propre psyché, son propre devenir. Qu'est-ce qu'on est, d'autant plus quand même que, je vous le dis à tous qui êtes quand même très jeunes, vous verrez, quand on vieillit, on devient moins con. Voilà. Donc c'est une des raisons d'espérer, pas pour tout le monde, hein, mais ceux qui au départ... Donc c'est une des raisons d'espérer dans la vie. Donc j'avais envie de faire un polar, j'avais deux envies. D'abord d'avoir un personnage qui est mon âge, et deuxièmement j'avais très envie d'explorer cette fameuse phrase de... Merci mon Dieu, de McDonald's. Celui de Floride, à qui un élève demandait, dans une conférence, un étudiant lui demande, mais monsieur McDonald, donnez-moi un début de roman policier, et McDonald lui répond imperturbable, ben voilà, votre héros est couché dans un lit qu'il ne reconnaît pas, il est tout nu à côté d'une femme qu'il ne reconnaît pas non plus, le temps qu'il s'aperçoive de quoi que ce soit, on frappe à la porte et il entend que police ouvrir, et voilà, et vous trouvez le reste. Et cette histoire m'avait toujours paru très représentative du polar, du roman noir. C'est-à-dire, on plonge, c'est ce qui fait ressembler à la tragédie, on plonge immédiatement un personnage dans le bain, bouillant de préférence, ou glacial, c'est pour moi, et après, il faut qu'il se débrouille. Et l'enquête commence là, commence à partir de rien du tout, sauf qu'elle est au bout, il y a la mort, c'est-à-dire que, ou la prison à vie. S'il ne s'en sort pas, il y reste. Donc ça m'avait toujours trouvé, j'avais toujours trouvé que c'était une belle explication de ce qu'était le roman noir, d'autant plus qu'on peut prendre un personnage qui... On n'est pas obligé de prendre un James Bond, on n'est pas obligé de prendre n'importe qui. Donc voilà, je me suis mis à écrire ce livre. Et je me suis aperçu que j'étais quand même encore un peu plus en colère que je le croyais. Ce qui fait que c'est un peu devenu un brûlot gauchiste qui a retenu pas mal de critiques. Et puis voilà, et je me suis bien amusé à le faire. Et ça termine ce bouquin, ça le termine bien, puisque le... Ah non, mais je ne dirai pas la fin. Non. Merci beaucoup, Patrick Rénal. Donc, je me tourne maintenant vers Jean-Bernard Pouy, qui a presque tout fait dans sa vie. Tout cas, littérairement, j'entends. Il a été novelliste, scénariste. J'ai pas le permis. Non, ah. J'ai jamais conduit une bagnole de ma vie, c'est quand même. Pas le permis de conduire, mais en tout cas, le permis d'écrire, ça, vous l'avez. Hein, parolier, essayiste et surtout écrivain de plus de. Centaines de romans noirs, ai-je lu. Le premier roman que vous avez publié, Spinoza en cul les gueules, fut publié dans la collection de Néopolar Sanguine en 1983. On reparlera peut-être de cette période si vous le voulez bien. Sous la même couverture que Rénal. Spino si. Ah oui, Spino, oui. Oui. Vous avez été d'ailleurs l'un des pionniers de l'aventure Néopolar. À la suite de Manchette, et vous avez infléchi le roman policier vers le roman noir social et militant. Vous vous êtes aussi lancé dans l'expérimentation du poulpe, on y reviendra,
aux éditions de La Baleine. Donc Le Poulpe, c'est une, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une série de romans qui suit les pérégrinations d'un détective libertaire, Gabriel Le Couvreur, à travers les failles de la société. C'est une série en fait feuilletonnante et collective, puisque chaque auteur ou autrice écrit sa propre version d'une aventure de Le Couvreur. Et votre dernier polar, En attendant Dogo, est sorti en janvier 2022, il est tout neuf, et il est publié dans La Noire de Gallimard, nouvellement relancé. Alors est-ce que c'est pour vous qu'on a relancé La Noire ? C'est un petit roman qu'elle a relancé, mais c'est les problèmes inhérents à un polar, dans le sens où il y a de plus en plus d'auteurs qui se la pètent, qui sont littéraires en diable, et qui écrivent des romans, ils ne veulent pas que ça soit une couverture qui a fait pour eux long feu, c'est-à-dire celle d'une littérature populaire. Donc La Noire reparaît absolument de la même manière que la série Noire. Donc ils se sont agités un peu pour rien. Mais au départ, La Noire a été fondée donc par mon camarade et qui... il y avait effectivement été publié des textes et des romans qui ne seraient pas parus dans La Noire, dans la série Noire, autrement. Quoi, parce qu'il y en avait qui étaient très littéraires, d'autres qui étaient compliqués, d'autres qui étaient mettaient en avant des références qui n'étaient pas forcément ni populaires ni pour tout le monde. Donc, et puis il y avait une fonction stylistique très 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 précise, parce qu'on a trop entendu, on a eu marre d'entendre que les polars sont écrits par des gens qui ne savent pas écrire. Donc, on a prouvé bien avant tout, enfin il a prouvé bien avant tout le monde que c'est pas vrai. Voilà. Oui, tout à fait. D'ailleurs, vos polars à tous les deux et les textes que vous avez publiés, Patrick Reynal, sont bourrés de références littéraires et bourrés de effectivement, sont des puits de connaissances, en tout cas en termes de littérature. Et d'ailleurs, donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer le titre de ce dernier roman ? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? En attendant Dogo, donc c'est évidemment une adaptation de Beckett. C'est quoi ? Qu'est-ce que absolument c'est ? Pas. Non, mais il faut se faire remarquer. Alors moi, je m'étais fait remarquer par mon premier bouquin, Spinoza en cul légal, et il y a des gens qui me le reprochent toujours. Il y en a d'autres qui me le reprochent moins, mais enfin bon. Donc j'ai essayé de continuer, et puis en même temps, c'est comme pour les films, hein, les titres, c'est très important. Et quand on voit un titre qui, en quelques mots, t'attire l'œil, il faut peut-être regarder derrière si ça continue à attirer l'intellect, ce qui n'est pas souvent le cas, parce qu'il y a des titres célèbres, formidables dans la série Noire, qui ne sont pas forcément suivis par des grands romans, mais... Ah oui, non, il faut. Et puis c'est une question de faire le malin. Oui. Donc ça c'est très important. Parce que c'est vrai qu'on passe à l'arrière de tout, la littérature populaire. Mais enfin, je rappelle quand même que le dernier prix Goncourt est un auteur de roman noir. Le Tellier avec qui j'ai travaillé l'a eu un peu avant. Grand amateur de littérature populaire et de littérature complexe, disons. C'est de l'Oulipo. Donc, maintenant, on a plus peur de rien. Quoi. Enfin, maintenant, c'est n'importe quoi, donc c'est ça qui est bien. Et donc, comme je le disais, vous travaillez beaucoup à faire passer le patrimoine aussi littéraire de la littérature noire. Vous faites des réécritures, des adaptations. Et je pense, par exemple, au roman de Patrick Reynal qui s'intitule Retour au noir, qui a été publié en 2006, et j'ai lu dans un entretien, et puis je suis allée vérifier ensuite en tant que chercheuse que je suis, que vous aviez repris pour chaque début de chapitre une phrase tirée du roman désormais extrêmement célèbre. Le début de chapitre. La première phrase de chaque chapitre correspondant de The Long Goodbye de Chandler. Et j'aimerais juste, donc, est-ce que vous m'autorisez lire le début de The Long Goodbye et puis le début de Retour au noir pour qu'on fasse un peu la comparaison. Alors, en traduction française, hein, évidemment, je ne lis pas en américain. Alors, le début du roman de The Long Goodbye de Raymond Chandler. La première fois que je vis Terry Lennox, il était fin sous, dans une Rolls-Royce Silver Wraith, devant la terrasse du Dancers.
le gardien du parking avait sorti la Rolls et maintenait la portière ouverte, car le pied gauche de Terry Lennox pendait à l'extérieur, comme s'il en avait oublié l'existence. Lennox avait un visage jeune, malgré des cheveux blancs ivoires. On voyait à ses yeux qu'il était ivre jusqu'à la racine des cheveux, mais autrement, il ressemblait à n'importe quel gentil garçon en smoking, ayant claqué trop d'argent dans une boîte qui ne servait qu'à cela. Et alors, votre hommage et votre texte, Patrick Reynal, dans Retour au Noir. La dernière fois que j'ai vu Jim Logan, il était fin mort dans une Rolls-Royce Silverass argent garée, garée devant l'entrée du Lucas Café. Le plus extraordinaire, c'est que son assassin avait refermé la portière sur son pied gauche qui pendait à l'extérieur, exactement comme dans le début du premier chapitre de notre roman fétiche. C'est un très bel hommage. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que représente Chandler, peut-être pour vous deux en fait, parce que c'est un écrivain Pour moi, Chandler, c'est la... J'étais élevé dans une bibliothèque. J'étais un vrai cancre, je ne foutais rien à l'école, mais j'étais élevé dans une bibliothèque qui était celle de ma mère, qui me laissait vraiment évoluer, elle m'a appris à lire, elle me laissait évoluer, où je prenais absolument ce que je voulais, parce qu'elle fonctionnait selon le principe que s'il prend un livre, et pas pour lui, mais qu'il ne comprend rien, ça n'a aucune importance. Et si jamais il comprend, ben c'est trop tard, de toute façon. Donc, et puis je ne sais pas quel âge, mais vers 14 ans, j'étais de plus en plus tenté, j'ai une culture verticale, si vous voulez. Et au début, c'était les romans qui étaient le plus accessibles, à tout point de vue, et à la fin, ben, il fallait que je monte sur un escabeau. Et sur un escabeau, il y avait tous ces bouquins bizarres, sinistres, avec une couverture noire bordée de blanc, des titres absolument incompréhensibles, et que je savais que ma mère les adorait. Et un jour, j'en ai attrapé un, je crois que c'est marrant, hein, comme j'ai pas de mémoire du tout, je me souviens de rien, mais je crois que c'était un Paul Chambers. Paul Chambers, c'était un tâcheron, un imitateur, un imitateur assez servile de Chandler. J'ai commencé à lire ça. J'ai tout de suite été quand même un peu étonné par le style, par le côté exotique. Je termine. Et ma mère me voit lire ça et elle me dit, bon, écoute, je vais te... Lis plutôt ça, c'est la même chose, mais en mieux. Et elle me met dans des mains The Long Goodbye. Là, je suis parti, alors là, complètement. À cause de cet exotisme très urbain, très urban jungle, qui était bon, une phrase qui me disait, je me tenais à l'angle de La Cienga et de Hollywood Boulevard. Ça me transportait dans des endroits que je ne connaissais pas, je ne savais même pas ce que c'était, je ne connaissais pas Los Angeles, je n'avais pas vu, on n'avait pas encore beaucoup de cinéma, mais il y avait, et puis j'ai tout de suite senti le côté, comment je pourrais dire, le côté profondément humaniste de Marlowe, sa façon d'aimer les gens, rude, et son cynisme qui manifestement cachait les coups dans la figure qu'il avait pu prendre. Et je suis tombé red dingue. Vraiment, je suis tombé red dingue de Chandler, de Marlowe, après j'en ai vu d'autres. Hein. Mais c'est vraiment il y a eu d'autres auteurs qui m'ont beaucoup influencé. J'ai pas commencé par Céline. Si j'avais commencé par Céline, ça aurait été peut-être. Puisque je suis aussi red dingue de Céline, pour d'autres raisons, mais bon. Mais c'est lui, c'est Chandler qui a ouvert la voie. Et voilà. Et j'avais 14 ans, j'étais loin de me douter que j'essaierais pendant 30 ans de percer le secret de son style et la grâce qu'habitent ses bouquins. Mais c'est un peu ce que j'ai essayé de faire quand je regarde un peu tous les bouquins que j'ai écrits. Qui voient plus ou moins grand chose, mais je me rends compte que j'ai toujours cherché à percer la manière de Chandler. La manière, cette façon métaphorique d'écrire, cette façon très. Voilà, c'est tous ceux qui ont lu Chandler voient ce que je veux dire. C'est-à-dire, Chandler,
Je me suis rendu compte aussi d'un truc, puis après j'arrête de me poser. Quand j'ai commencé, bon, j'ai lu Chandler en français pendant des années. Et puis quand je suis après la Seine-et-Marne, il a été question de retraduire. Et là, je me suis rendu compte que les traducteurs français, même les meilleurs, avaient un peu calé. C'est-à-dire que c'est très très difficile de traduire Chandler. D'abord parce qu'il n'y a jamais d'argot. Et il n'y a jamais de langage. C'est la tournure, c'est ce qui fait de l'anglais qui rend ce côté quelquefois canaille et ce côté totalement inimitable que des gens comme, que j'aime beaucoup, comme Boris Vian, n'ont pas hésité à traduire par de l'argot. Mais tout simplement, c'est parce que c'est vraiment difficile. Et j'en ai admiré encore plus Chandler, que je lis en anglais maintenant, mais il est mort, donc il ne publie plus rien. Jean-Bernard Pouy, est-ce que c'est un auteur qui vous a... C'est un maître absolu. Et même avec le temps, vous, certaines choses vous paraissent dans Chandler un peu dépassées, mais dépassées parce qu'on les a trop lues, parce que ça a été pompé par tous les auteurs. Mais il y a l'essentiel dans Chandler. Et il y a un humour, en plus, qui est extrêmement difficile à copier, faire son humour, t'es obligé de faire des blagues, ce qui est pas bien. Non, il y a une violence qui n'est pas envahissante, mais qui arrive par petites touches, et ça suffit de deux ou trois mots pour installer un climat terrible. Et puis surtout, c'est un chercheur, c'est quelqu'un qui se bagarre pas trop, enfin, on se bagarre même presque pas, il prend des coups, il garde un humour et en même temps un pessimisme terrible, et puis il décrit magnifiquement la vie de Los Angeles, c'est-à-dire que des fois sa prose s'arrête et puis devient assez poétique. J'ai jamais entendu parler des jacarandas, je ne sais même pas ce que c'est toujours. C'est un arbre. C'est un arbre. Bon, alors, il rencontre des arbres assez souvent, et quand il tombe sur les jacarandas, on a pour une quinzaine de lits, et c'est absolument formidable. Donc, tout est bien. Il n'y a rien à jeter, et on comprend des fois absolument pas ce qu'il raconte. Non, mais c'est pas grave. On ne comprend pas l'histoire. Mais bon. On ne comprend pas l'histoire. Ça, c'est arrivé. C'est arrivé surtout dans des adaptations cinématographiques où les scénaristes s'arrachaient les cheveux et ils téléphonaient, ou le cinéaste téléphonait à Chandler même, qui disait, je sais pas, je m'en fous. Dans God damn it, celui avec Lauren Bacall. Celui avec Laurent Battel, le sublime. Le Grand Sommeil. Dans Le Grand Sommeil. Alors, Le Grand Sommeil, c'est l'histoire la plus compliquée, peut-être, avec. Et il y avait quand même deux pointures qui étaient chargées de l'adaptation, puisque c'était. Je ne vais pas vous trouver là, le nom de l'autre, parce que j'ai des trous dans ma cervelle. Mais il y en avait un, c'était Mingoué. Et dans. Il y en avait un, c'était. Moi. C'est Faulkner. Faulkner. L'un, c'était Faulkner, et l'autre, une très très grande adaptatrice. Ils ont retourné. Lace Brackett. Lace Brackett, exactement. On sort ensemble, heureusement. Et il s'est séché. Et ils appellent Chandler, et ils disent écoute, mon pote, je suis désolé, mais il y a un problème là. Il y a un cadavre, on ne sait pas d'où il sort, on ne sait pas qui l'a tué, on ne sait pas. Chandler a répondu, mais qu'est-ce que vous voulez que j'en sache, quoi? Débrouillez-vous, ils sont débrouillés. Non, il y a aussi autre chose que je voulais vous dire, puisque au public féminin, qui est majoritaire, c'est que Chandler mériterait de loin la palme de l'homme le plus correct vis-à-vis des femmes. Relisez les sept romans de Chandler, il est d'une correction, il est d'une distinction par rapport aux femmes. Il se marie l'an dernier, d'ailleurs. Ça lui a pas réussi, bon. Mais bon, les plus tatillonnes de nos féministes enragées ne pourraient rien trouver
d'incorrect vis-à-vis des femmes dans un roman tendre. C'est pas le cas de beaucoup de romans de la série noire et de beaucoup de polars. C'est vrai. Et ça aussi, c'est un modèle que j'ai. Donc il mélange entre sa vie et il est toujours resté avec la même femme. Ah oui, lui, il est encore resté avec la femme. Dans la plupart des bouquins, il n'y a jamais un mot au-dessus de l'autre. Si une fois il embrasse. Si. Il embrasse un quelqu'un. Non, mais jamais il y a des scènes de si. Lui d'un mauvais. Ah non, et non, sauf, sauf à la fin. Enfin, à la fin. Sa femme est morte, et à ce moment-là. Marlowe, enfin, c'est-à-dire son personnage, se permet quand même de courtiser une dame et de se marier avec elle. Qui est au dernier moment, il l'épouse et se marie avec elle. Donc il y a vraiment. Sa littérature épouse vraiment sa manière de faire. Non, ce qui est absolument fascinant, c'est qu'il parle, et il fait parler les gens. Et. Qui n'ont pas forcément tous des choses formidables à raconter. Mais il arrive à démêler tout uniquement par la tchatch. C'est vraiment le dialogue permanent avec les protagonistes qui font que l'histoire un peu avance. Merci beaucoup. C'était effectivement un bel hommage à Chandler, qui est effectivement un maître du polar, qui a innervé certains de vos romans, mais vous ne réécrivez pas que. Vous n'êtes pas que inspiré par les romans noirs états-uniens, vous êtes aussi inspiré par notamment la littérature blanche française, canonique, classique, et je pense à votre ouvrage qui est paru en 2018, que vous avez écrit ensemble à quatre mains, qui s'intitule Lord Gwynplaine. Six mains parce qu'il y avait celle d'Alexandre. Six mains parce qu'il y avait celle d'Alexandre. Alexandre le personnage Alexandre. Ah non. Il y avait Alexandre Dumas derrière, effectivement. Oui. Parce qu'il s'agit donc d'une histoire d'erreur judiciaire, d'une vengeance ourdie de longue date, celle d'un personnage nommé Erwan Le Dantec, qui nous rappelle donc un autre personnage, qui est Edmond Dantès. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette réécriture? Mais on cherchait des... Bon, on a toujours... On a beaucoup écrit ensemble, on vit presque ensemble, enfin bon. Et donc, là, on avait des idées, on voulait réécrire l'Odyssée. D'ailleurs, c'est une idée qui tient toujours, hein, parce que c'est une histoire formidable. Enfin, bon. C'est un bon moment, hein. Et c'est Alexandre Dumas, ce qui est assez fascinant, c'est que c'est n'importe quoi. Et là, quand même, on s'est attaqué donc, au Comte de Monte Cristo. En déblayant un peu, parce que quand même, l'autre il était payé à la page, alors ça y allait. Hein. Ça y allait. Puis il avait besoin d'argent, du même coup. Mais en fouillant un peu et en rappelant les motifs, on s'est aperçu qu'il racontait de temps en temps absolument n'importe quoi. Ce qui gênait pas tellement le lecteur, parce que c'était du feuilleton. Nous, il ne s'agissait pas de faire du feuilleton, mais avec le feuilleton, tout est permis. Donc, y compris de se contredire, et de faire traîner des catalepsies de jeunes filles pendant 300 pages, alors qu'en 30 pages, c'est fils. Mais enfin, bref. Et donc, on s'est bien amusé. C'était amusant à ça. Et ce qui est amusant, c'est que, et très, très agréable, c'est qu'on n'a pas à inventer l'histoire. On a à suivre la première histoire, celle de l'auteur Dumas. Et en même temps, c'est terrible parce que l'auteur Dumas, est, comme je disais tout à l'heure, raconte n'importe quoi. Donc lui non plus, s'en fout. Donc au bout d'un moment. Donc on s'est bien marré. Non, c'est pas tout à fait. Il a raison sur presque tout. Moi, ce qui me préoccupait, ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'était de mettre mes petits pieds dans ceux d'un géant comme Dumas et d'un roman comme Le Comte de Monte Cristo, dont la pérennité et les reprises ont été incroyables. En matière de films, j'ai découvert des films japonais sur exactement Le Comte de Monte Cristo, exactement l'histoire, et... qui ne sont jamais sortis du Japon. Donc c'est un... C'est, ce, ce,
ce mythe de la vengeance chez Dumas et chez Christou, c'est quelque chose qui est très fort et qui a fait un best-seller mondial et qui continue à se vendre. Donc c'était assez rigolo d'essayer de voir comment d'essayer de démonter. C'est ce qu'on a fait. On a dans un premier cas. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il racontait n'importe quoi. Tout le milieu de Monte Cristo, c'est-à-dire, pour ceux qui l'ont en tête, la fin d'Edmond Dantès, l'espèce de marais italien et la réparation à Paris du comte de Monte Cristo, c'est totalement n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment bon. La preuve, c'est qu'on a été obligé, on n'a pas pu. On s'est dégonflé, on a essayé de faire n'importe quoi aussi. Enfin, on a quand même bien fait. Non, on n'a pas fait n'importe quoi. On a fait vraiment du réalisme. Oui. Et à ce moment-là, ça plaît moins aux gens. Ce qui veut dire, c'est qu'on s'est un peu planté, quoi. C'est pas, on y croyait tous. Le Francis Esménard, notre respecté patron d'Albin Michel, qui croyait tellement qu'il voulait en sortir 20 000, je crois qu'il les a sortis d'ailleurs, on est loin de les avoir faits, et depuis notre cote a pâli chez Albin Michel. Mais c'est, je sais pas, c'est un... On aime bien ce genre de défi. Moi, l'Odyssée, je pense que c'est une idée géniale. On va voir comment on peut le faire. Voilà. Mais c'est des romans dans lesquels il y a tout. C'est-à-dire, c'est des romans pour les amateurs de romans, les amateurs de livres. Il y a tout. Il y a tout sous une forme, sous toutes les formes, tragiques, poétiques, un peu grotesques et rigolotes. Shakespeare, c'est pareil. C'est passé par tous les sentiments, toutes les histoires, tout le mal. Et en toute modestie, c'est cela qui nous fascine. Voilà pourquoi on a... Et alors, Lord Gwynplaine, pourquoi Lord Gwynplaine? Je sens que la question monte aux lèvres, mais par timidité, vous n'osez pas la poser. Est-ce que quelqu'un... Allez, je vais faire le point. Est-ce que quelqu'un ici se souvient de qui est Gwynplaine? Ah non, mais toi, ouais. Toi, t'es prof. Non, Lord Gwynplaine, c'est le héros d'un prodigieux roman de Victor Hugo qui s'appelle L'homme qui rit. Et on l'appelle L'homme qui rit parce qu'on lui a coupé et on lui a fait un sourire éternel. Ce qui montre quand même que la pérennité de Victor Hugo va jusqu'à Batman et le Joker, quand même pas rien. Et j'aime bien, on aimait bien l'idée de ce personnage qui cachait justement sa rage de vengeance et sa peine d'avoir perdu contre un éternel sourire. Voilà. C'était le quart d'heure du prof. Hein. Ben merci en tout cas pour ces précisions. Enfin, vous avez quand même écrit un sacré roman d'aventure. Et on sent bien le côté un peu feuilletonnant derrière, vraiment un peu littérature populaire en fait. Complètement. On sent tout à fait cette inspiration qui vous vient de Dumas donc. Et en parlant de littérature populaire, justement, peut-être qu'on peut en venir au Poulpe, qui était vraiment aussi une expérimentation, en tout cas une entreprise, d'essayer de revivifier la littérature populaire feuilletonnante dans sa mouture d'origine. Peut-être que vous pouvez nous en parler un petit peu, Jean-Bernard Pouy. Elle a été initiée donc en 1995 avec l'un de vos romans, La petite écuyère à cafeter, mais en fait c'était aussi Patrick Reynal faisait aussi partie de l'aventure. Je voudrais peut-être, si vous m'y autorisez, juste citer un petit passage de ce texte que je vais retrouver tout de suite. La petite écuyère à cafeter, où on découvre le personnage donc de Gabriel le Couvreur, qui est en fait le personnage du Poulpe, qui est un détective libertaire, il erre pas, il est un peu dans une découverte de la ville. Alors, je vais retrouver ça tout de suite. Gabriel le Couvreur, tel qu'on le découvre donc dans La petite écuyère à cafeter de Jean-Bernard Pouy. Et Gabriel, on pouvait le voir là, tous les matins, à peu près à la même heure, toujours à la même table, près de la vitrine. Parfois, il disparaissait pendant des jours, quelquefois des semaines. Mais on avait des nouvelles.
nouvelles, des cartes postales, il voyageait et n'avouait jamais ce qu'il pouvait bien foutre dans toutes ses pérégrinations. Quand il revenait, les habitués soulagés le voyaient, sa grande carcasse dégingandée traversait l'avenue Le Dreux-Rollin, avec ses bras trop longs, dont il ne savait pas quoi faire, et on s'écriait « Tiens, revoilà le poulpe ». Alors on comprend d'où vient ce titre de la collection, le poulpe, voilà, ce sont les grands bras dégingandés, mais est-ce que c'est la seule origine ? Non, les bras sont apparus après. Mais quand, avec Patrick et puis quelqu'un d'autre, on a fomenté cette histoire, on voulait faire du roman populaire, du roman... parce qu'on s'était aperçu que dans le polar, à cette époque-là, 95, ce qui pouvait représenter ce qu'on appelait avant la littérature de gare, avec un peu... Moi, mon père est chef de gare, alors il ne fallait pas qu'on m'embête avec la littérature de gare, qui est la plus belle littérature du monde. On a décidé de faire un héros révolutionnaire, enfin, d'extrême gauche. Parce qu'on s'est aperçu que dans cette littérature, il y avait SAS, des trucs comme ça, qui se vendaient beaucoup. Et on voulait faire ça avec des couvertures, des titres à la con, des couvertures en couleur. On voulait exactement reprendre ce que pouvait être une certaine littérature populaire à un moment donné. Mais ça a marché au début, mais en fait, on a géré ça tellement bêtement que, et magnifiquement et bêtement que... Moi, j'ai déclaré officiellement que tous ceux qui faisaient l'effort d'écrire un poulpe seraient publiés. Alors il y a 300 manuscrits qui sont arrivés 3 semaines après, bon, donc, mais je ne regrette pas. Mais alors après, on a décidé, comme c'était la littérature de gare, donc à l'époque il y avait un film, Pulp Fiction, enfin, parce qu'en anglais, Pulp Fiction c'est ça, c'est la littérature de gare. Et Pulp, pourquoi ? Parce que c'était fait avec du mauvais papier, du papier qui était fabriqué avec de la pulpe de bois. Donc. Mais nous, on voulait traduire Pulp. Comment traduire Pulp ? On ne savait pas. Donc, on a traduit par Poulpe, tout simplement. Mais alors, pourquoi après, un type qu'on appelle le Poulpe, il fallait. C'est pour ça qu'on lui a un peu allongé les bras, pour essayer de. Et après, il s'est glosé là-dessus, parce que le nombre de questions. Auquel j'ai été soumis à cause de ça. Enfin, mais ça a marché du feu de Dieu dès le début. Alors chaque auteur en faisait qu'un, il y en a qui ont triché après. Bon. Il avait des personnages qu'ils étaient obligés de reprendre. Ils avaient des interdictions. Interdiction de boire du pinard. Le vin était interdit. Alors il n'y avait que la bière. Ce qui fait que les auteurs ont été obligés quand même de faire de sérieuses études pour frimer. Alors, il y en a qui sont pas embêtés, qui étaient, disons, à la croix en bois. D'autres qui ont créé des bières. Les troisièmes qui ont fait découvrir la grande saga de la bière. Donc ça, il y avait plein de petits trucs comme ça, obligatoires. Et puis, il fallait un titre, vraiment un titre, avec un jeu de mots, si possible lamentable, pour mettre en couverture. Lui, il a pris un jeu de mots de mon fils qui devait avoir 3 ans. Donc, un jour, je rentre chez eux, et Léo venait de se faire engueuler par sa mère, pour je ne sais quelle raison, et il a dit « Oh, arrêtez le carnage, là !» Ça voulait dire « Arrêtez le carnage !» Et j'ai adoré. Voilà. Tout était permis, à condition quand même que. Et c'était donc des romans grosso modo gauchistes. Quand même. Alors, il n'y en avait pas un pour sauver l'autre, là. Bon, bref, il y avait toutes les tendances, tout ça. Mais ça a plu. Même quelqu'un qui était assez bête sec et difficile à convaincre, comme Didier Deslinx, s'est jeté dessus tout de suite. Après, on a fait très drôle. C'est jeté dessus, alors que quand je demandais moi, aux auteurs de participer à ce truc qui était enrobé quand même
de conneries, enfin bon, je ne sais pas comment on peut dire. Enfin, les genoux étaient lamentables. Mais j'en disais, écrivez, enfin, qu'il y ait vraiment un effort d'écriture, que ce ne soit pas du tout venant, comme certains romans de gare. Mais, et donc, ils se sont pris tous au jeu. Alors, il y a des blagues qui sont lamentables. Il y a même des auteurs qui ont réservé leur titre à l'avance, avant même de... Et puis après, ils sont morts, alors ils n'ont jamais fait. Jonquet, c'est lui qui avait réservé... dès le début un titre du book qui était Parkinson le glas et il disait je pense que personne peut être ce titre et puis il est décédé donc il y a quelqu'un d'autre qui l'a pris enfin il n'y avait que des histoires comme ça et donc on payait pas beaucoup mais on payait c'était joué. Et puis il y avait un illustrateur qui est quand même quelqu'un d'assez étonnant Mal Saliman. Et lui, un type assez chic, ça, enfin l'américain, justement. Il pensait en faire une dizaine, quoi. Bon, il en est à 400, il en a 400, je crois. C'est quoi qu'il est ? Non. Enfin, si le book n'est pas mort, officiellement, il n'a pas été mort. Mais, On va s'en faire un, on va faire l'apothéose de la mort du poulpe. Jamais. Il a tout eu, pour qu'il est devenu femme, il a eu des enfants. C'est un personnage contemporain qui était marqué derrière. Oui. C'est un personnage contemporain. Oui, c'est... Ce qui est marrant, parce que c'est des auteurs qui ont, même les auteurs les plus secrets, pointus, qui travaillent toujours à l'avancée de la littérature, tout d'un coup, ils avaient un peu la permission... pas de faire n'importe quoi, mais comme si on avait pour lui dire éclate-toi, et alors ça y allait. Hein. Donc ça a marché, ils écrivaient très vite, ils produisaient très vite. Le fait qu'il y en ait 15, ça les libérait bizarrement. Donc tout de suite ça a marché. Et puis alors les médias s'en sont emparés, alors là, c'est exactement un sujet, tu vois, pour Canal Plus, quoi, pour être comme ça, quoi. Ah non, parce qu'il y a eu quand même, moi j'ai eu la surprise, toi aussi, on a tous eu la boîte surprise. C'était quand même une période de grosses manifestations anti-Juppé, si je me crois. Oui, je me souviens. Et il y avait à un moment, partout dans Paris et ailleurs, je pense, des affiches noires imprimées en jaune qui s'appelaient Nous sommes la gauche et qui avaient un texte et un nombre. Impressionnant de signatures de gens connus. Et à notre grande surprise, on a découvert que Guillaume, que le couvreur avait signé. On a été quand même assez fiers. Enfin, moi. Lui, je ne sais pas, parce qu'il est tellement secret. Mais le couvreur, pourquoi le couvreur ? Putain, Non, on a fomenté cette histoire. Et inventer toutes les caractéristiques un peu de cette collection un soir dans un bistrot où on était bourrés comme des vaches et là il y avait un éditeur et donc le lendemain je me suis dit putain mais tout ce qu'on a raconté alors qu'on avait un éditeur sous la main et donc j'ai téléphoné et il dit non c'est très bien tout va bien allez, enfin, on s'est bien amusé. Mais voilà, j'ai failli devenir fou, moi, c'est pour ça que j'ai délégué. Alors, ce qui est très très bizarre, c'est que qui a repris le poulpe à un moment donné comme directeur de collection, c'est celle qui tient maintenant la série noire. Stéphanie Delestré. Qui était formée par. Donc, il y a un mélange qui s'est fait autour d'un certain. Je pense d'un certain esprit, quoi. De toute façon, c'est vrai que cette collection du poulpe, qui est un peu emblématique d'une période du polar français, elle a été assez structurante, probablement, pour justement cet univers, ce monde du polar français, et pas que français, d'ailleurs, aussi européen. Oui, traduit. Et traduit, effectivement, et c'est le même moment, à peu près, où vous, Patrick Reynal, vous êtes devenu donc, l'éditeur de la série noire,
Un petit peu avant. J'ai pris la série un petit peu avant la naissance du poulpe, de novembre. Et c'est à peu près dans ces eaux-là où vous avez lancé la noire aussi, en 1992. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être la différence ou ce que vous avez voulu faire dans ces deux collections, et aussi peut-être nous expliquer comment Folio Policier est venu un peu concurrencer, ou en tout cas problématiser votre ligne éditoriale, en fait? Alors, moi, quand j'étais... je m'attendais assez peu à être amené à la série noire, mais j'avais d'être nommé à la série noire, mais j'avais des... Dans ma tête, j'ai ressassé comme ça des idées de collection, des idées de... Et puis, moi, je suis un... Ça va vous surprendre, moi, je suis un 17e-iste, spécialiste des libertins au 17e siècle. Donc, vous voyez que c'était pas gagné, mais un littéraire, quoi, profondément. Et... Quand Antoine m'a nommé, il y a deux problèmes qui sont apparus pour moi. C'est un, comment faire rentrer des romans totalement atypiques et pas forcément strictement polar au sens le plus strict du terme, dans une collection de poche et qui existait depuis 1945, c'est-à-dire pas une gamine, quoi, c'était non. Donc, comment j'allais pour faire ça? Et deuxièmement, comment j'allais pouvoir... Alors ça, je m'en étais rendu compte déjà en fréquentant les festivals polars, en fréquentant les éditeurs, en discutant avec tous mes copains qui étaient guéris, d'autres et tout. Le problème, c'est comment amortir un auteur cher, c'est-à-dire qui est vendu en France cher par son agent, enfin, qui vend les droits, comment l'amortir dans une collection à 10 balles, ou même quelquefois moins. Et ça, c'est pas possible. Sauf à tirer la collection à 10 balles à 30 000 chaque fois. Et à se prendre dans la figure une masse de retours qui rend l'opération totalement impossible. Alors, je me suis dit, il faudrait que je fasse, que j'arrive à imposer une distinction entre roman policier, entre polar, et roman noir. Alors j'ai bricolé dans ma tête une définition du... C'était assez facile, pour tout vous dire. Parce que quand on regarde les Américains et quand on regarde d'autres pays, il y avait beaucoup de romans qui étaient des romans noirs et qui n'étaient pas, à proprement parler, des polars. Et donc c'était pas difficile de trouver des romans. C'était difficile de faire avaler... le tout à Antoine, c'était compliqué. Donc j'ai su aller voir les fabricants de services fabrication de Gallimard. J'aurais dû écouter les potes, faites-moi un truc, faites-moi une couverture de la blanche, mais complètement noire. C'est-à-dire, on garde les mêmes codes. Le filet rouge, les mêmes trucs, mais en noir. Et en bas, non, on n'a rien. Donc, je vais à un rendez-vous avec Antoine pour discuter de ça. J'avais ma couverture dans la poche, presque. Et je dis à Antoine, ben voilà, et je lui donne l'explication de comment faire pour distinguer. Bon, c'était encore un petit peu pâteux, parce que c'était un petit peu pâteux dans ma tête. Donc j'ai bien vu que je n'avais pas tout à fait décroché le pompon, sauf à lui dire que ça nous permettait de vendre, de vendre 20 balles des bouquins au lieu de vendre 6 ou 7. Ça, il a compris le truc. Et comme je voyais qu'il n'était pas encore complètement emballé, j'ai sorti, j'ai dit voilà, ça ressemblerait à ça. Et là, il a fait, authentiquement, il a fait gloupe. C'est-à-dire qu'il a vu, il faut dire que chez Gallimard, vous savez peut-être, la blanche, c'est la collection. Touche pas à la blanche, hein. Surtout pas un froluquet arrivant en lit sur sa photo. Bon, ben, voilà, c'est ce que je lui ai mis sous le nez. Et la seule chose qu'il m'a dite, il m'a pas dit oui, hein. Ça, c'était oui puisqu'on l'a fait tout de suite. La seule chose qu'il m'a dit, il dit, vous auriez présenté ça à mon père, il vous jetait par la fenêtre. Ça m'a fait plaisir, j'avais dit, mais un chef, j'ai dit. Et j'avais justement un bouquin
ça tombait très bien, j'avais un bouquin de, magnifique de Crowley, un One to Count Cadence, un pour marquer la cadence, qui était un bouquin militaire et tout ce qu'on veut, mais un bouquin noir, oui, mais pas du tout un polar. Et ça a été le premier, et ça a donné un élan qui ne s'est jamais démenti. Et je considère que Antoine a... Quand je suis parti, Antoine a dit non, c'est la collection de Patrick Reynal qu'on arrête. Et j'ai trouvé que c'était plutôt un hommage. Alors après, ben après, il a fallu trouver des textes. Et là, c'est en fouillant dans cette partie de la littérature mondiale qui n'était pas européenne, qui n'était pas du tout exploitée, que j'ai trouvé des merveilles. Harry Cruz, par exemple. Larry Brown, c'est un type absolument incroyable. C'est un type qui était pompier et éleveur de bœufs dans le Mississippi, et il était à Oxford. Et il adorait la littérature, et Oxford, c'est la ville de Faulkner. C'est-à-dire, c'est la ville où il y a sa maison, et c'est la ville, l'université où il a enseigné. Donc, il était absolument fou d'amour là-dessus. Et pendant 10 ans, il a écrit des textes dont il a inondé les éditeurs et des directeurs de journaux, de magazines. Il y en a beaucoup aux États-Unis. Hein. 50 États, ça fait au moins 100 ou 150 magazines. Et chaque fois, il se les renvoyait dans la figure en disant « Non, mon Dieu, écoutez, un peu condescendant, genre, vous feriez mieux de faire autre chose, vous n'avez pas autre chose à faire. » Et un jour, il a écrit un texte, celui-là, je n'ai jamais lu, mais il a dû écrire une nouvelle qui a dû un petit peu, qui a fait bouger les lignes. On lui a répondu, mais écoutez, c'est pas si mal. Et là, il a fait un roman qui est extraordinaire, qui s'appelle... Non, avant. Il a fait le bouquin des deux types qui reviennent du Vietnam et qui se rencontrent, qui sont complètement... très, très, très chandériens, qui sont complètement... Merci. Merci de m'aider. Le premier roman de Larry Brown. Qui se rencontrent dans l'hôpital. Il y en a un qui, mettons, qui a... qui ne peut plus parler, ou qui eux et l'autre qui ne peut plus marcher. Enfin, deux épaves, et c'est un roman absolument extraordinaire, et ça l'a lancé, et le deuxième jour, voilà, ça a été... Donc voilà, ça m'a, je ne sais plus ce que je disais. Oui, c'était sur la Noire, et sur la série Noire peut-être sur alors la série Noire, ça m'a obligé à... Sur les auteurs européens que vous avez... Alors ça m'a obligé à deux choses, la première c'est à ouvrir, parce que mon discours initial, c'était à partir du roman noir américain des années 20, ou même avant, puisque Machin a écrit avant les deux ans, Chandler, Ahmet, merci. Ahmet a écrit même avant les deux ans. Catastrophique. C'est catastrophique. Et à partir de ce front commun, se sont venus greffer des auteurs dans différents pays. En France, les auteurs de la série Noire, en Italie, Cherbalenko et d'autres. Et je me suis mis à fouiller tous ces pays pour voir s'ils avaient produit, s'ils avaient écrit déjà, des romans qui ressemblaient à ce qu'on publiait dans la série Noire. Et bien sûr, j'en ai trouvé. Donc ça m'a permis d'ouvrir à l'Europe, sérieusement du côté de l'Italie, puisque là, l'Italie, on en a trouvé vraiment beaucoup. Et des bons, Battisti, Battisti ici aussi, mais comment il s'appelle, Lucarelli, voilà. Et en Allemagne, beaucoup aussi. Et puis petit à petit. En Espagne, en Espagne, on savait aussi, parce qu'il y avait déjà des. Andréu Martín et. Donc, González de Desma. Oui. Et l'autre. Non, Montalban, il était, on le connaissait parce qu'il était déjà largement publié, mais il n'était pas chez Gallimard. Donc voilà, et donc ça m'a donné le... Le problème avec le fouillou, alors, j'y arrive. Ça a été la maxi peau de banane qui m'a été balancée dans les pattes par Gallimard lui-même. C'est-à-dire que, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que je l'ai énervé, est-ce que je l'ai... Et il s'est mis, il a lancé Folio Noir, où il sortait, voilà, où ça, il y avait une, et alors, si Folio Noir, si les ventes de Folio Noir
avait été comptabilisé sur la scène noire. Si on avait, si on avait été une maison d'édition normale, voilà, moi, directeur de la série noire, je vends mes livres à une collection de poche qui, au bout de 2 ans, 1 an, peu importe, les republie, mais on m'attribue quand même le volume financier que ça génère. Mais pas du tout. C'est-à-dire qu'on me piquait on me piquait ISO, on me piquait Pénac, on me piquait tout ça, on reproduisait en folio et on me disait, ah ben non, la collection, elle ne marche pas, elle ne se vend pas. Ce qui a été le début de mes histoires avec Antoine qui se sont mal terminées. Ben, on est tous les deux vivants. Mais... Lui plus que moi. Eh bien, merci beaucoup pour cet historique de la série noire et puis de votre passage chez Gallimard qui s'est terminé à peu près en 2004, si je ne me trompe pas. Début 5. Et peut-être, alors il ne nous reste plus beaucoup de temps, je vais peut-être vous poser une dernière question à tous les deux pour conclure sur votre vision du genre noir, alors vous l'avez déjà évoqué, et peut-être sur votre vision du genre du roman noir contemporain, français et éventuellement mondial. Est-ce que le roman noir, vous l'avez expliqué, vous faites une différence entre polar et roman noir, le roman noir, est-ce que c'est du roman noir social, est-ce que c'est du roman noir engagé et éventuellement militant, et est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Non, alors moi j'ai une... J'ai une théorie un peu qui est... Pour moi le roman noir c'est la douleur du monde. Donc tout est permis, tout est accepté. Parce que, bon, il suffit de regarder autour de soi pour se rendre compte que ça ne va pas très très, très bien. Hein. Bon. Mais ce n'est pas forcément des romans horribles, violents, enfin bref. Et surtout, cette ouverture du monde, on peut, enfin là c'est personnel, on peut s'en gosser un peu. C'est-à-dire que moi je fais plutôt des romans plutôt humoristes, enfin pas humoristiques, ça ne veut rien dire, mais... qui sont plutôt, où l'humour a une grande part quand même, l'humour et la culture en référence, donc ça fait rien, les motifs sont toujours lourds quand ils arrivent, et encore plus lourds s'ils sont mélangés à de la rigolade. Donc le roman noir c'est ça, le roman noir pour moi c'est la douleur du monde. C'est pas les histoires de flics, c'est pas les histoires de crimes, c'est pas forcément tout ça. Tout ça qu'on a donné, on a trop lu, mais... et d'ailleurs, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on s'aperçoit que la littérature étant un peu en panne, à part la littérature de recherche, ben c'est les gens comme Nicolas Mathieu, Pierre Lemaître, qui arrivent dans la... Ça veut rien dire dans le concours, mais Nicolas Mathieu, c'est dur, hein. C'est pas gay, bon, et il n'y a rien qui peut le classer dans le concours, et bien, enfin, le polar est second, mais... vous avez vu la guerre? Non, c'est le troisième, j'ai calé, là, je suis, c'est toujours du Nicolas Mathieu, c'est bien écrit, tout, mais là, je connais Marat, mais là, je m'en fous complètement, c'est-à-dire que je rentre dans... Je rentre dans des histoires qui ne m'intéressent pas. En plus, c'est gros et écrit dense. Hein. Donc, j'ai abandonné. Je le reprendrai parce que j'aime beaucoup Nicolas, qui est un pote. Mais l'exploration sociale qui fait, sociale et géographique, c'est-à-dire le devenir de la Lorraine, voilà. Et il y a Pierre Lemaître qui, lui, reprend un peu les vieilles formules, oui, les vieilles formules du 19e, donc le polar est là tout le temps. Oui, mais alors, sur le polar, sur le roman noir, je suis d'accord avec Julien, c'est une douleur. Il y a une deuxième fonction qui est très très importante. Ce sont des auteurs qui acceptent, qui se dévouent et qui écrivent des histoires que des gens, pour des gens qui ne liront jamais. C'est-à-dire que, enfin, on en a marre de la littérature de façon universitaire, bourgeoise, anglaise et française pendant un an. C'est-à-dire qu'on écrit pour l'élite. Là, non. On
n'écrit pas pour l'élite, on écrit pour des gens qui peut-être ne savent pas lire. Et comme Nelson Algren, comme Steinbeck aux États-Unis, comme beaucoup, et comme de plus en plus en France. C'est-à-dire que là, si on a réussi quelque chose, si on a marqué des victoires sur la littérature par rapport à ce qu'elle était en France quand on est arrivé, je pense qu'on a vraiment ouvert la porte à un changement de sujet, changement de... Avant, on avait l'impression que les écrivains français n'osaient pas écrire en dehors de leur lectorat, c'est-à-dire on n'osait pas... Et là, maintenant, ça y est, c'est parti. Et d'ailleurs, quand vous regardez une table de libraires, il y a... Les romans noirs, ils sont tous là. Il y en a pas... C'est ce qui se vend le plus. Hein? C'est ce qui se vend le plus. Qu'ils soient en poche, que certains polars montent à ce niveau par les libraires, là, je crois. Ou que... Bon, il y a... C'est la majorité, c'est-à-dire que ça y est, le noir dans sa partie la plus forte, a vraiment complètement coloré le paysage littéraire français. Et mon ego immense en profite pour vous citer une phrase avec laquelle j'avais conclu un dossier sur le noir dans le truc Gallimard, comment s'appelle la revue la NRF. J'avais dit, le seul avantage du noir sur le blanc, c'est qu'il éteint. Il a détendu. Voilà. Écoutez, moi, je vous remercie. Hein. Je vais peut-être laisser la parole à la salle, parce que j'aurai encore beaucoup de questions à poser, bien évidemment. Mais je pense qu'il est temps de laisser un peu la parole à la salle, si jamais il y a des questions, des remarques. Chabrol a dit que le polar, c'était comme une bouée de sauvetage pour explorer l'humain. Du coup, je voulais savoir si vous étiez d'accord avec ça. Une bouée de sauvetage pour explorer l'humain. Pour explorer l'humain. Et qui a dit ça? Chabrol. Ah bah oui, on va pas dire non à Chabrol. Dieu sait qu'on l'aime, lui. Oh, moi, j'aime pas Chabrol. Non, justement, Chabrol, il n'est pas sorti complètement de l'emprise de Simenon et compagnie. Voilà. Ah non, c'est pas ça. Et à mon avis, tais-toi, c'est une. Le polar français a vraiment eu du mal à trouver ses justifications et tout, à cause de Simenon, qui a été un personnage tellement énorme et un fabricant, un fournisseur d'histoire tellement énorme qu'il y avait du mal derrière. Ça a changé à cause de... Manchette avant, mais surtout à cause de 68. C'est-à-dire, tout d'un coup, les gens ont dit, sinon, bref, on va raconter des histoires de grève, de trucs. Et ça a démarré de là. Maintenant, Chabrol, c'est Simenon qui s'occuperait que de la petite bourgeoisie. Donc, ça, moi, je trouve que c'est Godard qui est important pour le polar. Ça, surtout. Le premier... On ne va pas recommencer à disputer devant ces jeunes gens. Parce qu'autrement, j'aimerais dire Flaubert. Le premier film de Godard, c'est un polar. Oui, mais tous. Bah, alors, on va passer. Pas tous, non, mais bon. Bon, moi, je suis un peu d'accord sur cette phrase de Chabrol. J'aime bien Chabrol. J'aime bien Chabrol parce que... j'adore les gens qui donnent des coupées dans le ventre à la bourgeoisie, comme il le fait. Il le fait très bien. C'est pas un génie, mais c'est un mec qui sait trouver ses cibles et qui les exécute bien. C'est pas vraiment un auteur de polar ni de film noir. Hein. Mais bon, il a dit ça, je suis d'accord avec lui. Moi, je suis en revanche, je suis un grand fanat de Simenon. J'en relis tout le temps. Il a écrit les plus ahurissants romans noirs. Alors là, voilà, là, on est vraiment dans le roman noir avec Simenon.
Et je suis en permanence dans un état d'admiration béate. J'ai les œuvres complètes et de temps en temps, quand j'ai un. Je sais pas, quand j'ai envie de. Pof, de sortir de ce que je lis, je lis un Simenon et je suis. Raide, dingue de la construction, de la rapidité avec laquelle il arrive au cœur de son sujet. C'est très très fort, Simenon. Et bon, ça c'est mon. Je trouve que c'est bien que ça existe. Mais je ne sais pas qu'il était. Enfin, je sais qu'il avait tué tout. Bah, ça repart maintenant. Ça repart. Et ça repart avec un peu. Avec l'énervement en plus. Simenon, il a un côté. Il court. Et puis. C'est la série des romans. Quand on lit les romans tropicaux, ce qu'on appelle les romans tropicaux de Simenon, et qu'après, il y a des critiques qui disent que bon, le problème, c'est qu'il était un peu réactionnaire et qu'à force. Voilà, les romans tropicaux. Ouais, les romans américains. De Simenon, c'est le clandestin, le crime de Monsieur Steele, tout ça, c'est des trucs incroyables. Voilà. Je suis d'accord, mais de toute façon, il faut. Ça devrait être le rôle de la littérature en général d'explorer l'humain. Voilà, c'est ce qu'on pourrait dire. Si j'avais ça comme dissertation et que vous m'ayez dit vous avez 4 heures, je commencerais par ça. Je dirais oui, mais attendez, comment définir autrement la littérature? Donc ça revient à dire que le polar est la littérature. Mais il y a 15 ans, quand on disait ça, on se recevait des choux sur la tête. Il y a des gens qui se levaient dans la salle en hurlant, en disant tout ça, c'est des conneries. Il n'y a que littérature, c'est la littérature allemande. Mais tu as écrit de la littérature allemande. Oui, mais il ne faut pas. Et moi, du coup, je me suis juré, parce que comme j'écris beaucoup, je me suis juré d'être dans un rayonnage de littérature allemande. Alors, comment faire? Il faut inventer un auteur allemand, faire après dire qu'on l'a traduit. Mais enfin, il l'a fait, le jour où j'étais à la FNAC pour être sûr de voir si c'était sorti, et il y avait un rayonnage de littérature allemande, et il y avait Arthur Kelt, enfin, l'auteur que j'avais inventé, qui était juste à côté de Kafka, et tout. Ouais. Pourquoi se gêner? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, je vois. Oui. Moi, j'ai été vraiment passionné par cette rencontre. J'aurais eu plein de questions, on n'entend pas. Et là, ça fonctionne. Moi, j'aurais eu plein de questions, notamment sur. On a parlé d'influence littéraire française et américaine. J'aurais eu des questions sur le. C'est parce que. Ah, moi, j'ai l'air, il faut le faire. Et j'aurais des questions sur les influences du cinéma et de la télévision sur votre écriture. Malheureusement, il faut que je me sauve, donc je n'entendrai pas la réponse. Si vous voulez, mais je voudrais juste dire autre chose. Il y a une conférence, je crois, bientôt, qui pourrait être une suite, notamment sur les femmes dans la série noire. Je voudrais que Alice n'oublie pas, à la fin de la rencontre, d'en faire la publicité, puisqu'elle l'anime. Et ce sera je suis sûr d'ailleurs, une excellente conférence sur ce. Merci beaucoup, Adrien, de faire. Je précise qu'Adrien travaille beaucoup actuellement sur tous les papiers de Marcel Duhamel, donc il était assez amusé de t'entendre parler des relations avec Gallimard, qui étaient les mêmes quelques années plus tôt. Ma question à moi, c'est Catherine Chauchard, si je peux me permettre, c'est les relations que vous avez ou pas entretenues entre directeurs de collection européens, pour en revenir un peu à l'Europe du polar. Je me souviens de Laura Grimaldi, mais je pense qu'il y en avait d'autres. Et est-ce qu'à un moment, parce qu'il y avait quand même un mouvement intéressant qui se passait en Europe entre ce qu'on disait l'Italie, l'Espagne, les Scandinaves. Alors, est-ce que vous étiez à Francfort? Est-ce que vous aviez justement des lieux où vous pouviez échanger entre éditeurs et éventuellement vous suggérer des traductions d'auteurs qui paraissaient intéressants aux uns et aux autres, mais que vous n'aviez pas tous lus? Oui, moi j'ai pas mal, pas beaucoup avec Laura Grimaldi, parce que bon, problème personnel, mais avec Tropea, Marco Tropea, avec qui j'étais quand même très très près, c'est lui qui m'a. Alors il m'a pas filé des Italiens, mais c'est lui qui m'a fait publier Rolo Diez, lui et Paco Ignacio.
J'avais beaucoup de rencontres. Oui, j'avais beaucoup de contacts avec Carmen Balcells, la grosse agente de Barcelone, qui m'a fait avoir les DESMA dans des conditions et tout. Oui, on a beaucoup travaillé avec, avec ces gens-là. Ma mémoire est en partie à tire d'aile, j'arrive pas à t'en citer d'autres. Mais alors, le problème qu'on a eu, c'est on n'a jamais vraiment pu travailler avec les Anglais. Avec les Anglais. On a publié des Anglais. Colin Bateman, je ne sais pas comment je l'ai trouvé, mais surtout, c'était à sens unique. Non, j'ai publié des Anglais, Colin Bateman, mais surtout, on a Ken Bruen, l'Irlandais, Ken Bruen, Sam Millar, maintenant, oui, le dernier vient de sortir. Mais il n'y a pas eu de... Les Anglais ne sont jamais intéressés au polar français. Je crois que, comme d'habitude, leur tropisme était tellement de l'autre côté, voilà, qu'ils ne se sont pas... Des auteurs français traduits en Angleterre, je connais guère que Manotti. Oui. Longtemps, ils ont traduit Japrizo. Ils adoraient Japrizo. Ah, mais Japrizo, c'est à part. Japrizo, il a toujours été... Oui, Japrizo, il a été traduit partout, Japrizo. Il y a les films qui l'ont... C'est quand même très particulier, Japrizo, c'est vachement bien. Hein. C'est du thriller, presque. C'est du thriller. Oui. C'est du Japrizo, hein. Là, vraiment... Je ne sais pas si je me trompe, mais tu as publié énormément d'auteurs étrangers qui t'étaient recommandés par d'autres auteurs. Il y a eu la oui, ma principale façon de glaner, une fois que je suis rentré dans le système, c'est de demander à mes auteurs préférés qu'est-ce qu'ils lisaient. Je me rappelle un jour à Missoula, j'ai demandé à Cruz, je lui dis, mais donne-moi au moins un bouquin que je n'ai pas de livre que j'aille mal acheter à la librairie Montana. Il m'a répondu de Missoula. Il m'a répondu avec un air faussement excédé parce qu'il ne m'avait jamais parlé. Mais il me dit, je t'ai dit, Harry Cruz, qu'est-ce que t'attends? Donc j'ai foncé à la librairie de Missoula. J'ai acheté le premier Harry Cruz, j'avais du bol, c'était les chiens. Je ne me souviens plus. L'histoire des Fist of Nick. Et Wagner, tu le trouvais comment? Wagner, je l'ai trouvé. Wagner. C'est un copain Radvani. Les deux Russes. Les frères Wagner. Ça, c'est pareil, c'est pas un éditeur. Alors là, c'est rigolo parce que Radvani me dit, tu sais, c'est formidable. Le bouquin est formidable, mais il faut que je te dise quand même, puisque je ne lis pas le russe. C'est quand même un peu antisémite. Alors, je regarde un peu la vie des frères Wagner, je m'aperçois qu'ils sont juifs tous les deux. Bon, je dis des juifs antisémites, ça va pouvoir se gérer. Et je fais traduire le livre, l'Évangile du bourreau, donc sans savoir ce que je faisais, sans savoir que... Et là, je me souviendrai toujours, c'est un des moments les plus intenses de ma vie d'éditeur, c'est quand j'ai reçu la traduction et que je me suis mis à le lire, et que j'ai plongé dans ce chef-d'œuvre d'un noir absolu, terrifiant, terrible, et que j'ai eu, alors là, vraiment, c'est le pif. Hein. Et qu'on a mis dans l'exposition. Oui, qu'on a mis dans l'exposition l'Europe du polar, parce que justement, on a essayé de mettre en avant ces nouveaux polars, les polars de l'Est, en fait, et effectivement, les frères Wagner, c'était un peu l'entrée des polars de l'Est en traduction française, c'est un des premiers... Et il y avait deux, c'est marrant, là, il y avait deux frères qui tenaient, qui avaient fait l'ouverture à l'Opolar, c'est les frères Wagner, et deux frères qui ont continué à faire l'ouverture vers la science-fiction, c'est les frères Strogatsky. Tous les films de, comment il s'appelle, le russe Oui, je vois ce que tu veux dire. Sont tirés des romans de Strogatsky. Oui. Dernière question, éventuellement, si on peut l'évoquer.
sur justement cette tradition néo-polar qu'on a en France, qu'on a eu longtemps dans la, à la suite de Jean-Patrick Manchette. Est-ce que c'est quelque chose, et donc vous avez été l'un des instigateurs, Jean-Bernard Pouy, est-ce que aujourd'hui il en reste quelque chose de ça? Oh ouais. Oui, oui, parce que bon, moi j'arrive plus à lire tellement les romans noirs, oui, mais les polars, voilà, parce que je suis effrayé, enfin effrayé, ça me fait peur. Hein. Je suis effrayé par la brutalité, je suis effrayé par le crime, je déteste les flics. C'est dur à dire, mais enfin il reste plus grand chose, quoi. Donc, je suis obligé de me rabattre sur des romans qui ont trouvé autre chose, et notamment sur les ce que j'appelle les rigolos, enfin, parce qu'il y a toute une génération de tapés qui sont quand même... Il y en avait en France, Misio, par exemple, et qui s'est perdu. Enfin, Christopher Moore, par exemple, ou des gens comme ça, moi, je me jette sur leur livre pour respirer un peu. Et puis, je supporte pas comment on appelle ça? Je suis pire que Patrick, moi. Je suis plus vieux que lui, hein, c'est normal. Les histoires horribles d'assassinat. Le gore. Non, le gore, il y en a eu en France, mais ça n'a pas tellement marché. Non, ce qu'on voit partout. Les thrillers. Le thriller, moi je ne veux pas. Je ne veux pas parce que j'ai du mal à dormir et. C'est un mauvais. Ou alors c'est le vendeur. Ouais, c'est pire. Vous avez un bouquin qui tient éveillé qu'un bouquin qui t'endort. Oui, puis surtout qu'après tu fais les rêves, tu fais des cauchemars. Ça. C'était même la phrase de la série noire. Oui, on ne pas lire la nuit. On vous empêchera de dormir. Oui, mais ça a empêché de dormir. La série a empêché de dormir parce qu'on ne pouvait pas les lâcher. Oui. Moi, quand j'étais plus jeune, enfin beaucoup plus jeune, très très plus jeune, je me souviens d'avoir avalé en une nuit le deuxième Hannibal Lecter, tout simplement parce que je ne pouvais pas être un animal, je ne pouvais pas le lâcher. Et voilà. C'est pour ça que je te trouve dur pour les thrillers. Il y en a des magnifiques qui rentrent tout à fait dans la définition du roman noir. Mais ça fait peur, moi. Ben, appelle-moi. Tu viendras dormir à côté de moi. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres questions? Non. Alors, je pense qu'on peut peut-être clore cette rencontre. Et je voudrais donc remercier à nouveau Patrick Reynal et Jean-Bernard Pouy d'avoir partager leurs connaissances et leur bonne humeur avec nous. Moi, je partage rien avec eux. Il m'a tout appris, alors bon. Non, pas vrai. Et je voudrais aussi remercier quand même la Bilipo, hein, je tiens à signaler, la Bibliothèque de littérature policière qui a participé à la création de l'exposition L'Europe du Polar et puis qui est une institution il faut toujours très importante pour le monde du polar. Et le 5 mars, il y aura je présenterai un travail en cours sur les femmes de la série noire, donc sous l'époque Duhamel. Duhamel, il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas des masses, j'ai fait une petite recension et il y en a certaines qui écrivent sous pseudonyme et qui passent un peu. Ah ben, il y a la célèbre Janine Ornano qui. Oui, la française. La française. Qui maintenant écrit. Qui, hein, première française en plus. Oui, et qui maintenant écrit des romans d'histoire. Jacqueline Boissard. Jacqueline, quand on dit « Ah, comment ça va ? Tu te remets pas au polar ?» Parce que moi, je la tue. Attends, pas du tout. Moi, elle me dira « Ah, c'est gentil de se souvenir. » Oui, mais non, nous, on a dit « Je veux plus entendre parler de ça. » Elle écrit des romans d'amour paysans. Ouais, historique aussi. En tout cas, elle en écrit un par an, ça se vend très bien. Et elle a l'air parfaitement bien dans ses godasses. Et on parlera aussi des États-Uniennes, de la série noire. Ah. Celle-là, il y en a un certain nombre. Dolores Fitchen, ça c'est. Hélène Zalavi, elle existe toujours. Hein. Hélène? Hélène Zalavi. Oh, elle n'était pas dans la série noire, Hélène Zalavi. C'est, c'est,
c'est. Oui, c'est. Lune de miel, je sais pas quoi, là. C'était extraordinaire. Lune de miel sanglante, ou je sais pas quand. Ah oui, c'est. Je me souviens pas du titre exactement, mais c'est ça. C'est l'anglaise, non? Alors, oui, les anglaises, hein, y en a pas mal. Les anglais, c'est la reine du crime, quand même. Hein. Oui, mais enfin, les anglais, c'est. C'est un appel à gâteau. Appel à gâteau. Pas du tout. Lis celle de Rivage, tu verras qu'elles ne sont pas du tout comme ça. Si tu dis ça à Jeanne Guyon, elle va te racheter les yeux. Non, mais j'ai lu là, une anglaise, comment elle s'appelait Baker. Je t'en ai parlé après. C'est le premier livre, enfin, un gros, hein, le premier livre que je lis d'elle et le premier livre que je lis où je ne comprends rien. Je ne sais pas d'où elle tire son imagination, à quoi elle fait référence, tout ça, mais c'est passionnant. Oui, mais c'est. C'est un mystère. Moi, j'adore ça, tomber sur un. Jean Baker, rien, Nicolas Baker, oui. Ah, Nicolas Baker, mais c'est pas, on n'est pas dans le noir, là, on est dans le. Oui, oui, ouais, Nicolas enfin, Baker, c'est hallucinant. C'est dans la blanche, c'est hallucinant. Moi aussi, je suis pareil, c'est comme ça, je l'ai lu cet été. On m'aurait dit de quoi ça parle, je sais pas. J'ai dit une bande de gens qui suivent un mec. Et on ne sait pas trop qui ce mec, et voilà. C'est très chandelorien en fait, finalement, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Non, c'est pas chandelier. Non, je ne savais pas que c'est chandelier. Ah, chandelier était anglais. Hein. Et voilà. Oui, alors je vais vous. Oui, bon, ben voilà. Bon, ben merci à tous les deux, et puis merci au public d'avoir été là ce soir.